C'est une équipe, les amis. D'ailleurs, c'est pas moi qui va vous le dire. C'est une équipe, cet effectif de l'Atlético de Madrid, ce groupe peut bien surprendre le Real Madrid. Le jeu de la tête, les amis. Morata qui a marqué un triplé, c'est très très important. Et j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va faire les très très bons choix au niveau de la défense. C'est justement le Real Madrid, les frérots. C'est le Real Madrid et rien du tout, c'est le Real Madrid. Voici ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant-match et aujourd'hui, on a vu quoi? C'était vrai, l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui a des joueurs qui sont très très bons dans le jeu de tête. Et aujourd'hui, on l'a vu, quand c'est pas Morata, c'est un autre joueur. Et au niveau de la charnière centrale, le Real Madrid n'était pas la meilleure équipe. On va revenir sur la prestation de Rudiger aujourd'hui qui a été vraiment incroyable. Mais c'est pas la charnière centrale, pardon, mais plutôt Kepa. Kepa pour moi aujourd'hui. Il a été vraiment nul. On va pas se mentir, on va quand même doser, on va revenir sur sa performance. Je comprends bien Kepa, il est de retour de blessure, mais aujourd'hui, le Real Madrid a gagné, on est bien en finale les frérots, et aussi la prestation, je trouve, lors de la première période, lors de la deuxième période, malgré ça a un petit peu diminué, mais le Real Madrid était à la hauteur. C'est bien un derby madrilène, c'est pas un derby catalan, c'est pas le Barça versus Girona, c'était le Real Madrid versus l'Atlético de Madrid et on a vu vraiment du très bon football. D'ailleurs, je tiens à vous remercier les frérots pour tous vos retours sur la dernière vidéo. On va bientôt passer la barre des 13 000 abonnés si ce n'est pas déjà fait. Donc n'hésitez pas à liker, envoyer de la force. On va fêter ça avec la victoire du Real Madrid et aussi un petit pouce bleu. On va débriefer ce match-là qui avait quand même des moments vraiment sensationnels, des moments incroyables. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à commenter aussi, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti, let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. Demi-finale de la Supercoupe d'Espagne aujourd'hui. On est bel et bien qualifié pour la finale. On attend soit Osasuna, soit le FC Barcelone. Avant, je me disais, bon, Osasuna, ce serait peut-être une équipe plus facile à battre. Mais après cette prestation que le Real Madrid a donnée aujourd'hui lors de la première période, une équipe qui a été vraiment, je peux dire, vraiment intense, une équipe qui a été vraiment rythmée, les amis, le jeu du Real Madrid aujourd'hui lors de la première période, c'était vraiment un jeu très, très rythmé. Je trouve, on est prêt pour le FC Barcelone. Viens, viens vite, Barça, on va te taper. On va te taper. Donc les frérots, on va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti aujourd'hui. Au niveau de 11, c'est vraiment un régal. Avec Kepa au but. Dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger, Nacho. Malgré aujourd'hui, pour moi, c'était plutôt Rudiger. Et moi, je donne l'homme du match à Rudiger pour sa prestation. On va revenir sur sa performance, les amis. Mais pour moi, Rudiger, c'est l'homme du match. Après, en latéral, on avait Fernand Mendy qui a marqué aujourd'hui, qui était bien sûr de retour de blessure. Cavaral sur le côté droit qui a donné une très bonne prestation. Un milieu de terrain avec Modric, Valverde, Bellingham et Tchouaméni. Tchouaméni n'était pas en défense centrale, mais plutôt en tant que milieu de terrain et dans le secteur offensif. Retour de Vinicius. Vinicius qui n'a pas joué lors du premier match de Supercoupe. Il est de retour avec Rodrigo, les amis. Donc, niveau 11, je voulais voir des changements comme Nacho, pas titulaire, mais plutôt Tchouaméni à la place de David Alaba. Mais au final, je trouve que Carlo Ancelotti, au niveau de 11 aujourd'hui, il n'a pas exagéré et que le 11, ça a été très très bon. Je suis quand même satisfait. Et après, ça dit victoire, les amis. Ça dit du bon jeu. C'était un très bon derby madrilène, comme je dis bien, parce que je trouve le FC Barcelone, je dis bien, ne pourrait pas donner une telle prestation face le Real Madrid, ce FC Barcelone que je vois là. Et c'est pour ça, vraiment, j'attends le FC Barcelone en finale, les amis. Donc aujourd'hui, pour moi, le 11 a été très, très bon. Bravo à Carlo Ancelotti. On en reviendra sur les changements, mais je trouve que les changements ont été faits. Au bon timing, Modric qui sort pour Toni Kroos qui rentre, les amis, ça, vraiment, au niveau de 11, je suis satisfait. Maintenant, le match. Match très très compliqué pour le Real Madrid. L'effectif lors de la première période a quand même poussé. On a vu un Real Madrid avec un jeu, comme je dis bien les amis, un jeu très très rythmé, un jeu très très sympa. Un Real Madrid qui en profite bien sur les temps forts, mais aussi un Real Madrid qui a été faible lors des moments, des temps faibles les amis. Lorsque l'Atlético de Madrid
a le ballon, le Real Madrid ne pouvait pas trop faire le pressing, ne pouvait pas trop exagérer, comment dire, le Real Madrid ne pouvait pas trop en sortir. Et on l'a vu vraiment, on a encaissé pas mal de buts, les amis. Mais aujourd'hui, le Real Madrid, dans les moments forts, l'équipe, le groupe a été très très fort, les amis, très très fort. Donc félicitations à eux, très belle victoire je trouve. Et donc voilà les amis, après je dis quoi, très très belle victoire les amis. Après on va pas s'enflammer, on va pas dire que le match a été top top, parce que on était vraiment face à une équipe, c'était l'Atlético de Madrid, et je suis vraiment impressionné de la prestation de l'Atlético de Madrid, parce que moi je disais le Real Madrid allait affronter l'Atlético de Madrid, on allait gagner sur un score de 3-1, parce que l'Atlético de Madrid qui s'est fait malmener par Girona, je me disais que l'Atlético de Madrid allait venir, on allait faire un match très très cool. Mais aujourd'hui le match a été compliqué pour le Real Madrid. Et pourquoi le Real Madrid a gagné ce match? Le Real Madrid a gagné ce match parce qu'on est le Real Madrid. Après un mi-temps, après le match est terminé pour la prolongation, on avait toujours cette force, on avait toujours cette détermination, et c'est ce qui nous a amené vraiment cette victoire, et surtout les changements de Carlo Ancelotti. On a un Carlo Ancelotti lors de la deuxième période qui fait sortir Modric pour faire rentrer Kroos. Modric, pour moi, aujourd'hui, son match a été acceptable, mais dans les moments clés, et on peut le voir, les amis, sur le but de Griezmann, Modric, il a mal réagi. C'est pas de sa faute, mais je trouve qu'un Valverde allait beaucoup plus apporter sur cette action-là. Valverde qui est vraiment beaucoup plus pertinent en termes de marquage que Modric. Valverde, il allait beaucoup plus apporter. Mais Modric, il était dans son match. J'ai vu des commentaires, des personnes critiquer Modric pour son jeu aujourd'hui. Modric, pour moi, il a été bon, les amis. Mais surtout, le changement de Carlo Ancelotti qui fait rentrer Kroos lors de la deuxième période à la place de Modric. Bravo à Carlo Ancelotti, les amis. Pour moi, aujourd'hui, Carlo Ancelotti m'a régalé. C'est pas seulement le groupe. On peut le dire aussi, aujourd'hui, c'est Carlo Ancelotti et le Real Madrid qui a gagné. Après les autres changements, on fait sortir Mendy pour rentrer Camavinga. Camavinga qui est venu sur le terrain, il a donné une top performance. C'est pour moi l'un des joueurs qui a été vraiment, vraiment pertinent sur le terrain. Après Carlo Ancelotti qui fait rentrer Arda Güler, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais Arda Güler, il s'est montré un petit peu. Arda Güler, c'est un joueur, vraiment, je trouve, c'est aux îles, les amis. Il est très simple dans son jeu. Il est très, très, très technique, je peux dire. Donc voilà, les amis, aujourd'hui, on ne veut pas plus. On voulait la victoire. On a la victoire et la prestation du Real Madrid. La rencontre, pour moi, a été à la hauteur. Il y avait pas mal de sensations. Donc, les amis, on va voir les buts parce que c'est très, très important. Premier but, je trouve. Premier but, erreur niveau de la défense. Et après, je l'avais dit, ce n'est pas vraiment la défense, mais plutôt l'Atlético de Madrid. Les joueurs, ils sont très, très bons dans le jeu de tête, les amis. Deuxième but, je trouve, Modric. Oui, Modric, il est fautif, mais Kepa. Kepa, aujourd'hui, pour moi, son match n'a pas été bon. Il a fait un match très, très nul. Je suis le premier à le dire ici, les amis. Lorsque Kepa, il est venu au Real Madrid, j'étais le premier ici à le dire. Lorsque j'ai vu que Kepa, il était moyen dans son jeu, il pouvait quand même réussir. J'ai dit que le Real Madrid pourrait s'en sortir avec Kepa et pourquoi pas lui offrir une prolongation lorsque son contrat prendra fin. Mais après, les amis, je ne dis pas que le Real Madrid ne doit pas miser sur Kepa, parce que le joueur, il est de retour sur blessure, les amis. Il est de retour parce que le joueur, il est de retour de blessure. Mais quand même, aujourd'hui, la prestation de Kepa, pour moi, ça a été catastrophique. Et si on avait un gardien, les amis, si c'était Lounine, après, on ne va pas s'enflammer. Lounine, ce n'est pas vraiment le meilleur gardien du monde. Mais si c'était Lounine, je trouve, le Real Madrid allait encaisser moins de buts. Mais après, je trouve que l'effectif, ça a été correct. Il y avait des joueurs qui ont été moyens. Vinicius, en termes de finition, je ne suis pas trop satisfait de sa prestation aujourd'hui. Rodrigo de sa part, je peux dire, très très bon match de sa part, les amis. Malgré Rodrigo, il a raté un but qu'il aurait dû marquer, je trouve, c'était lors de la deuxième période. Mais ce n'est pas de sa faute, il a fait le nécessaire, il a vraiment supprimé un joueur. Après, face à l'Atlético de Madrid, les amis, ils ont un gardien, John Oblak. Ce gardien vraiment est monstrueux. Après, le Real Madrid allait marquer beaucoup plus de buts. Donc les amis, but de Rudiger, but de Mendy aussi aujourd'hui, qui a fait vraiment un très très bon match, qui a fait une bonne prestation en tant que latéral. Après, but de Cavaral,
Sur le but de Cavaral, c'était de la folie, les amis. C'était de la folie parce qu'il y avait pas mal d'occasions déjà ratées. Vinicius et même, je trouve, et Bellingham. Mais Cavaral, il est censé par derrière pour manquer ce but-là qui était vraiment incroyable. Après, Brahim Diaz, qui a manqué. Rossellou aussi, malgré, je trouve, le but de Rossellou, c'est plutôt autogol. Mais aujourd'hui, pour moi, le Real Madrid a joué un match moyen. L'Atlético de Madrid a joué un match moyen parce que c'était vraiment deux grandes équipes, c'était un derby et ça a été compliqué. Au final, qui a gagné? Notre cher Real Madrid, les amis. Donc pour l'avenir, je dis bien, on va affronter sûrement le FC Barcelone. On attend bien le FC Barcelone, on va les botter les fesses, les amis, parce que je suis prêt. Si le Real Madrid est capable de donner cette prestation face à l'Atlético de Madrid, face au FC Barcelone lors de la finale, moi je dis direct, on gagne cette coupe et ça va booster le groupe pour le reste de la saison, les amis. Donc déjà abonné à la chaîne, merci, merci à vous. On va bientôt passer la barre des 13 000 abonnés, si ce n'est pas déjà fait, parce que je trouve qu'il nous manque seulement 2 à 4 personnes, les amis. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires concernant ce match pour moi aujourd'hui. Le match, ça a été vraiment, vraiment pas mal de folie avec Rossellou qui a manqué dans les dernières minutes, Brahim Diaz aussi. 5 buts à 3, c'est quand même satisfaisant pour un Atlético de Madrid qui nous a battu lors de notre premier match avec lui en Liga. Et ceci, les amis, on reste un match face à l'Atlético de Madrid. Ce serait peut-être dans les jours à venir. Je pense que ce serait 2 matchs qu'on reste face à l'Atlético de Madrid. On doit vraiment les finir, les amis. On attend le grand jour où on va vétiver, où on va battre l'Atlético de Madrid, ce serait en Liga pour la vengeance finale. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, comme j'ai dit bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Très bonne victoire du Real Madrid. Ciao, ciao.